Hello everyone, my name is Fatouma Touré. I'm a nephrologist in France, in the city of Limoges. And it's my pleasure to be with you today as a chairwoman of this webinar. This webinar is sponsored by the ASPD, the French Language Society of Nephrology, Dialysis and Transplantation, and both the AFRAN and the DOSOCN-DT. So after this introduction, this very short introduction in English, the audience of this webinar is a French language people, so I will be speaking French. Donc, je m'appelle Fatouma Touré, je suis néphrologue à Limoges et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cette série de webinaires. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos deux orateurs. So we will have two speakers today. First is the professor Abdou Niang from Dakar, and the doctor Ahad Kouyoun from Pakistan, who is be they will be sharing with us their clue to and their tips to develop PD programs. Donc sans plus attendre, je laisse la parole au professeur Abdou Niang pour la présentation de cette série de webinaires et pour son premier topo. Abdou. Oui, merci Fatouma, professeur Fatouma Touré. Donc, c'est un plaisir pour moi de participer à cette série de webinaires qui a été initiée par l'ASPD, d'abord en tant que président de la Société sénégalaise de néphrologie, mais aussi en tant que président du chapitre Afrique de l'ASPD. Et c'est vraiment un immense plaisir pour nous aussi d'avoir l'accompagnement et le soutien de la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation, et d'avoir aussi le soutien de l'AFRAN avec une participation active de la part de sa commission dialyse péritonéale au niveau de l'Association africaine de néphrologie. Alors, ce premier webinaire, effectivement, est une série de webinaires qui va traiter de beaucoup de sujets, vraiment, parce que, comme vous le savez, la dialyse péritonéale est sous-utilisée en Afrique, on va le démontrer tout à l'heure, et nous espérons vraiment, à partir de ces webinaires, recruter le maximum de personnes en Afrique, des néphrologues, etc., pour pouvoir vraiment débuter une expérience en dialyse péritonéale, aussi bien dans le domaine aigu que chronique. Donc, je remercie le docteur Ahad Kayoum du Pakistan qui a bien voulu venir partager son expérience avec nous et donc dans un pays donc à revenu intermédiaire où donc nous aurons besoin aussi de cette expérience pour les nombreux collègues ont vraiment envie de démarrer un programme de dialyse péritonéale. Donc, Eugénie, si vous le permettez, je vais partager mon écran pour introduire donc mon sujet. Alors, je développerai mon sujet en suivant donc ce plan-là. Après avoir parlé du contexte un peu de l'insuffisance rénale chronique en Afrique et dans le monde, de faire l'état des lieux de la dialyse péritonéale en Afrique et dans le monde, et un peu parler de l'expérience du Sénégal et nos difficultés et nos solutions. Alors, on sait aujourd'hui que la maladie rénale est un véritable problème de santé publique dans le monde. On estime à plus de 850 millions de personnes qui souffrent de la maladie rénale. Et comme on le voit ici, c'est plus que la population des diabétiques à plus de 400 millions et la population souffrant de cancer ou d'infection à VIH. Alors, pourquoi cette maladie semble être un peu négligée? D'abord, le fait que ça soit une maladie silencieuse, il joue beaucoup de rôle. Cette maladie était classée 11e cause de mortalité et avec une position qui évolue, qui va devenir 5e cause de mortalité d'ici 2040. Nous avons environ 3 millions de personnes qui sont en dialyse
qui vivent en dialyse dans le monde, mais on se rend compte que plus de 7 millions de personnes ont besoin de dialyse et n'ont pas d'accès ni à la dialyse ni aux autres thérapies. Alors, bien sûr, quand on y rajoute les 13 millions de personnes qui souffrent chaque année d'insuffisance rénale aiguë, vous voyez que donc le fardeau de cette maladie est extrêmement lourd. Alors, essentiellement, le problème financier, un patient en thérapie de suppléance va coûter entre 35 000 et 100 000 dollars, hein, donc plus de 65 millions donc de francs, en tout cas de notre pays. Alors, selon le Global Kidney Atlas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons quand même 9 millions de personnes qui sont laissées pour compte et qui ont pourtant besoin de dialyse. Et si nous ne faisons rien, ce chiffre va continuer et nous aurons plus de 10 millions de personnes qui auront besoin de dialyse et qui n'auront pas accès à la dialyse. Alors, et pourtant, le taux de progression de la population dialysée mondiale, en tout cas de ceux qui en ont besoin, se fait essentiellement dans les autres pays. Vous voyez, au niveau des États-Unis, de l'Union européenne, du Japon, les pays développés qui ont le plus nombre de patients en dialyse ont des taux de croissance stables, alors que dans les autres pays comme l'Asie, l'Afrique, il y a une forte croissance de la demande. Alors, si on regarde un peu la distribution de la suppléance rénale en Afrique, vous voyez que c'est essentiellement l'hémodialyse qu'on utilise comme thérapie de suppléance. Ensuite vient la transplantation et en rouge, vous voyez vraiment qu'il y a très peu de patients en dialyse péritonéale dans les pays, principalement en Afrique du Sud, donc au Sénégal, au Congo, etc. Alors, et selon le Global Kidney Atlas, qui a quand même enquêté plus de 42 pays sur les 54 en Afrique qui ont répondu donc à cette enquête, ce qui représente quand même la grande majorité de la population africaine, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement des centres de dialyse dans tous les pays. Hein, mais le problème, c'est que la moyenne est très faible. Nous avons 1,6 centres par million d'habitants, hein, et donc ce qui est vraiment très très faible. Et si nous regardons par rapport aux centres, aux unités de dialyse péritonéale, ces centres ne sont disponibles que dans 17 pays en Afrique, soit 41%, et ce qui fait 0,05 centres par million d'habitants. Et donc, ce qui se passe malheureusement, c'est que de nombreux pays développés consacrent 2 à 3 % de leur budget aux soins de santé, au traitement des patients atteints d'insuffisance rénale, même si ces patients ne représentent que 0,1 à 0,2 % de la population de leur pays. Et quand on regarde les financements de ces thérapies de suppléance en Afrique, on se rend compte que ces financements viennent principalement de l'État. Hein? Donc, c'est ici 26%. Et parfois, ça vient de l'État, plus maintenant la participation des patients. Et là aussi, c'est une bonne partie. Hein? Les fonds privés et publics mélangés, ça fait 29%. Donc, vous voyez que malheureusement, nous n'avons pas un système de financement unique, et là, ça pose des problèmes quant à l'accessibilité, quand vous voyez dans les différents pays d'Afrique. Alors, l'autre problème, effectivement, qui est inséparable, c'est le nombre de néphrologues dans la population. Quand on regarde dans les pays occidentaux, nous avons plus de 28 néphrologues par million d'habitants, mais quand on regarde dans les pays à bas niveau de revenus, comme en Afrique, nous avons 0,3 néphrologues par million d'habitants. Et quand on regarde plus spécifiquement en Océanie et dans l'Asie du Sud, Sud-Est, nous avons moins de 4 néphrologues par million d'habitants, et en Afrique, nous avons en moins de 3,6 néphrologues par million d'habitants. Et ceci aussi constitue
des obstacles quant à la progression de la dialyse péritonéale. Alors, bien sûr, il faut en former, il faut continuer d'en former. Il y a des écoles de néphrologie, je citerai spécifiquement l'école de Dakar, qui depuis 2000, de 2008 à 2021 a formé plus de 160 néphrologues qui viennent de 19 pays d'Afrique, dont l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, etc. Et donc, il nous faudra effectivement multiplier les centres de formation, avoir aussi des formations de qualité, et ceci permettra de combler un peu le gap. Alors, quelle est la situation de la dialyse péritonéale? En aiguille, il y a beaucoup d'expériences qui se sont développées en Afrique, et surtout appuyées par le programme Saving Young Life. Et là, nous avons montré que dans l'expérience de ces cinq pays-là, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, et le Cameroun, ici, il s'agissait d'une expérience sur la dialyse péritonéale aiguë et avec près de 200 patients qui ont été pris en charge, essentiellement des enfants avec une moyenne d'âge de 10 ans. Et on s'est rendu compte que avec des durées moyennes de dialyse péritonéale de 2 semaines, on avait quand même une survie de plus de 70%. Et vraiment, le programme 0 by 25 de l'ASN, c'était d'avoir zéro mort évitable d'ici 2025. Et nous pensons que la dialyse péritonéale peut occuper une grande place pour réduire cette mortalité. Le problème de la dialyse péritonéale en chronique est un peu plus complexe. Quand vous voyez dans le monde, la dialyse péritonéale a une prévalence autour de 10%. Hein? Quand on regarde dans les pays développés, c'est là où on a le plus de patients traités par dialyse péritonéale. Et dans les pays en développement, vraiment, c'est là une partie infime de leurs patients. Par contre, il y a des champions hein, dans les pays en termes de nombre de patients. Vous avez le Mexique en tête, les États-Unis, la Chine. Et en termes de prévalence par million d'habitants au niveau de la population, vous avez Hong Kong en tête, le Mexique et le Salvador qui sont à plus de 300 patients par million d'habitants. Alors, en Afrique, la population africaine, c'est quand même 14% de la population mondiale. Et dans la population dialysée africaine, ne représente que moins de 5% de la population dialysée mondiale. Et un peu plus de 70 000 patients, ce qui fait en moyenne 74 par million d'habitants. Alors, et en Afrique du Nord, qui absorbe la grande majorité des patients dialysés, plus de 90% de la population dialysée en Afrique, malheureusement, la dialyse péritonéale aussi est faiblement représentée là-bas, moins de 5% de la population. Alors, et quand on regarde en Afrique du Nord, vous avez l'Algérie avec plus de 900 patients, la Tunisie plus de 300 patients, et puis ensuite le Maroc qui a fait une progression quand même assez intéressante depuis les 5 dernières années. Et en Afrique subsaharienne, la majorité des patients sont dialysés en Afrique du Sud, avec près de 12%, plus de 1 000 patients. Et puis ensuite, vous avez quelques programmes intéressants et en croissance, dont le Soudan, le Sénégal. Et il y a aussi quelques programmes qui commencent, comme au Nigeria, au Botswana, Zimbabwe, etc. Alors ici, quand on regarde la DPA, donc la DP, ici, vous avez l'Afrique du Sud, comme je disais tout à l'heure, qui ont une très bonne croissance. Et ensuite, le Soudan, avec ses difficultés malheureusement liées à la guerre et autres, ont beaucoup de problèmes à maintenir les patients en dialyse péritonéale. Et le Sénégal aussi, qui reste quand même à cette prévalence qui tourne à moins de 100 patients. Et nous allons voir les obstacles qui pourraient aider donc à augmenter cette prévalence-là. Alors, cette expérience a démarré en 2003. Et aujourd'hui, au Sénégal, nous avons environ plus de 1 000 patients qui sont en hémodialyse, qui sont en dialyse. Donc, la dialyse péritonéale, c'est un taux de prévalence de moins de 5%. Et aujourd'hui, il y a plus de 30 néphrologues qui exercent dans le pays.
Et nous avons un centre de dialyse et dans chacune des 14 régions du Sénégal avec un néphrologue. Donc, ceci donne des prédispositions à pouvoir démarrer un programme. Donc, vous voyez ici, nous avons la carte du pays avec les centres qui sont éparpillés un peu partout, vous voyez, jusqu'au dernier centre qui est ici à Kédougou, qui est à la frontière avec la Guinée et le Mali. Alors, nous avons aussi le nombre de néphrologues en 2023 qui est autour de 40 maintenant, avec deux néphropédiatres. Nous avons une soixantaine d'étudiants en formation, mais comme vous l'avez vu, qui nous viennent de plus de 20 pays d'Afrique, donc un peu partout. Alors, cette expérience pilote, comme on l'a décrit ici dans Pédia, a démarré en 2003. Et au début, l'évaluation de cette unité, nous avions eu un problème fondamental, c'était le problème du financement de la dialyse péritonéale. En ce moment, il fallait payer 1 000 euros par le patient pour pouvoir faire de la dialyse péritonéale. Et donc, nous avons commencé un plaidoyer pour que l'État puisse subventionner cette technique-là. Et donc, vous voyez, au début de l'expérience, on ne prenait que des fonctionnaires de l'État qui avaient donc 80% qui étaient pris en charge par l'État et les malades payaient quand même 20%, ce qui était un peu, autour de 200 euros, donc 250 dollars environ. Et donc, vous voyez que le coût de la dialyse était quand même assez consistant, 650 000 à 850 000, donc 1 000 euros, plus de 1 000 euros. Et donc, en 2010, un événement s'est passé. C'est un peu les mouvements politiques qui visent sur la vie des personnes. Et donc, avec un changement de régime et un meilleur plaidoyer, nous avons eu la dialyse péritonéale qui a été prise en charge à 95%. Et au même moment, l'hémodialyse était prise en charge à 80%. Et en juin 2012 aussi, avec l'alternance, on a eu la gratuité totale dans le secteur public. Donc, vous voyez comment les soins sont influencés par les changements politiques. Et donc, après, l'hémodialyse était devenue gratuite et la dialyse péritonéale. Et jusqu'à même que le secteur privé soit subventionné. Alors, et puis, en dialyse péritonéale, nous n'avions qu'une seule unité à l'hôpital Aristide Le Dantec jusqu'en 2020. Et puis ensuite, on a eu une décentralisation grâce à des collègues très déterminés et soutenus aussi par donc les collègues au niveau de l'hôpital Le Dantec. Ce qui fait qu'après, nous avons eu 5 unités de dialyse péritonéale à travers le pays. Mais comme vous voyez, ça restait un peu à côté de l'Atlantique toujours. Alors, et ici, nous avons un peu évalué cette expérience. Nous avons vu que nos patients sont très jeunes, 47 ans de moins d'âge, hein, principalement des femmes, principalement venant de la région de Dakar, dans 2 tiers des cas, et près de 40% hors de Dakar, avec des distances parcourues qui étaient quand même relativement importantes. Parfois, nous avions eu des malades qui nous venaient jusqu'à plus de 500 km. Et selon les comorbidités, c'était l'hypertension et le diabète qui venaient en tête. Alors, les indications, nous voyons une indication qui tient aux revenus, c'était vraiment le problème financier. Ce qui fait que des patients qui démarraient l'hémodialyse en privé et qui ne pouvaient plus tenir, donc, étaient transférés en dialyse péritonéale. Alors, parfois, on avait aussi des problèmes d'impasse vasculaire qui faisaient qu'on transférait des malades. Alors, on a eu aussi beaucoup de problèmes pour avoir la dialyse péritonéale en premier choix, mais nous pensons qu'il y a des facteurs identifiés que nous sommes en mesure de résoudre. Alors, c'est essentiellement la dialyse péritonéale continue ambulatoire et la DPA aussi était utilisée parce que ici, il s'agit de Baxter qui avait mis à la disposition donc de l'unité des Home Choice, donc les machines pour permettre de faire
la dialyse péritonéale automatisée. Alors, l'exploration fonctionnelle était faite chez certains patients, mais ce qu'il faut retenir dans le problème de l'exploration, c'est que malheureusement, souvent, c'était à la charge des patients, ce qui fait qu'on avait des difficultés pour faire des PET-tests, hein, et donc d'évaluer la membrane péritonéale. Alors, en termes d'infection péritonéale, au tout début, chacun disait que bon, la dialyse péritonéale était impossible à réaliser dans nos pays à cause des problèmes d'hygiène, etc. Mais l'expérience nous montrait que quand même, nous étions à un épisode autour de 20 mois patients, ce qui était autour de 0,6 par an. Et vraiment, ceci était comparable aux recommandations, hein, donc de l'ASPD. Et donc, nous avions aussi des complications mécaniques, hein. Alors, il faut savoir qu'aussi, dès le début, celui qui pose le cas est important. Nous, on a commencé par des chirurgiens formés par un néphrologue tunisien qui nous posait les cathés, les urologues, et là aussi, on a trouvé quand même des difficultés parce que la pose de cathés était souvent laissée aux plus jeunes, hein, peut-être pour les seniors, après, ce n'était pas très valorisant pour eux. Et malheureusement, plus celui qui pose manque d'expérience, plus nous nous étions confrontés à des complications précoces. Alors, les complications métaboliques, les transferts transitoires, etc., lorsqu'il y avait certaines infections. L'autre problème qu'on a eu à faire face, c'est la culture négative. Alors, au début, c'était quand même assez important, autour de 51% d'infections péritonéales à culture négative. Maintenant, nous avions eu à travailler avec les microbiologistes, les sensibiliser. Eux aussi, ils étaient équipés. Et avec un appareil, le BACTEC, qui était extrêmement intéressant. Et on a constaté que quand les microbiologistes ont été mieux sensibilisés et on avait plus de cultures positives, et ce qui nous permettait de mieux traiter nos patients. Et donc, pour développer un bon programme aussi, il faut vraiment penser à cette partie de la microbiologie. Les causes d'arrêt de la DP chez nous, donc, à 25%, c'était la décision du patient. Alors, il faut savoir aussi, parfois, les malades qui étaient en DP étaient inscrits en hémodialyse et parfois, quand ils avaient de la place, ils avaient la liberté de migrer en hémodialyse. Et donc, ça arrivait que des patients, pour des raisons ou des autres, puissent demander à rejoindre donc un centre d'hémodialyse. L'échec de la technique était déploré comme cause de transfert dans 33% et dans 37%, c'était par le décès du patient. Alors ici, donc, on a énuméré un peu ces causes d'échec, hein, telles que les infections péritonéales réfractaires répétées. On a eu quelques cas de péritonite encapsulante, de dysfonctionnement du cathé, hein, et puis par rapport au décès, c'est essentiellement des causes cardiovasculaires, mais aussi parfois d'infections liées ou non à la dialyse péritonéale. Alors, nos unités donc de dialyse péritonéale, le principal, c'est le centre hospitalier Aristide Le Dantec qui a initié la dialyse péritonéale. Il faut savoir que nous tous, on était au niveau de cet hôpital-là. Et donc, malheureusement, actuellement, le centre d'hémodialyse, l'hôpital Aristide Le Dantec a été rasé pour reconstruction, ce qui fait que l'unité a été déménagée donc au niveau d'une autre place. Et nous avons le centre hospitalier à Bassendaou qui a une unité de DP pédiatrique, l'unité de HMO, et nous avons aussi deux unités dans les régions, Louga qui se situe à 200 km de Dakar et Diourbel qui se situe aussi à environ 220 km de Dakar. Alors, aujourd'hui, nous avons donc environ 58 patients, principalement en DPCA, dans les différents centres, comme vous le voyez. Et en termes de ratio idée-patient, maintenant, c'est assez difficile parce que, par exemple, au niveau de Le Dantec, à un certain moment, on avait un infirmier pour 25-30 patients. Et donc, ça devenait vraiment très difficile. À Louga aussi, le néphrologue ou à Diourbel, il est seul, il gère un centre d'hémodialyse et l'unité de dialyse péritonéale. Donc là aussi, c'est un véritable problème. La coordination entre donc la pharmacie de l'hôpital, la pharmacie nationale d'approvisionnement et les fournisseurs,
constitue aussi souvent un problème parce que au début, les malades devaient venir à l'hôpital chaque mois, puis chaque 2 mois se ravitailler. Ça lui faisait beaucoup de solutions. Nous nous sommes organisés pour que maintenant la pharmacie régionale livre les produits de dialyse, mais ce système nécessite encore d'être amélioré. Il y a des ruptures intempestives de consommables. Donc, il nous faut aussi orienter les malades vers la technique par choix et non par défaut. Hein, mais pour cela aussi, il nous faudra mieux sélectionner les patients, que les patients ont un suivi néphrologique précoce pour pouvoir avoir le choix de faire la dialyse périturinaire. Donc, nous avons vraiment, au fil de ces années-là, bien inventorié nos difficultés. Hein, et les difficultés qui ont été soulevées dans les pays développés, c'est le problème de la préférence des patients, les faibles niveaux d'éducation, d'alphabétisation ou la formation clinique insuffisante en dialyse périnéale des jeunes médecins ou le remboursement qui est inférieur des prestataires comparé par exemple à l'hémodialyse. Mais en plus de ces facteurs, dans nos pays, on voit qu'il y a un problème de manque d'expertise locale. Le problème des solutions de dialyse périturinale qui sont indisponibles dans beaucoup de pays ou qui coûtent cher, le logement éloigné, par exemple des malades qui doivent faire 300 à 500 km pour atteindre leur centre de traitement. Bien sûr, la mauvaise hygiène fait que parfois nous éliminons aussi beaucoup de malades. La situation financière, les conditions familiales aussi parfois, parce que le malade n'a pas, par exemple, une chambre personnelle où donc, on peut stocker ou effectuer la dialyse péritonéale. Alors, quand nous avons fait cette enquête récemment pour voir co comment les néphrologues sénégalais perçoivent la dialyse péritonéale, nous avons eu à interroger plus de 30 néphrologues dans le pays qui sont essentiellement dans des centres hospitaliers non universitaires. Dans plus de 2 tiers des cas, ils avaient moins de 10 ans de pratique. Ils font beaucoup d'activités de néphrologie clinique, mais surtout, comme vous le voyez, d'hémodialyse. Mais ces néphrologues ont montré leur aptitude, on dit que leur aptitude est bonne à faire de la dialyse péritonéale, même s'ils n'appliquent pas. Parfois, ils ont des contraintes sur le choix et la perception des patients, hein, parce que très souvent, malheureusement, les patients, on leur raconte des histoires sur la dialyse péritonéale, mais ça, c'est souvent les médecins ou les néphrologues qui ne sont pas bien formés à la dialyse péritonéale. L'organisation socio-culturelle, la disposition intra-hospitalière, mais aussi l'approvisionnement instable, l'absence d'équipe et d'espace, mais surtout aussi, ces néphrologues ont souligné leur manque de temps. Et donc, la dialyse péritonéale est pratiquée par moins de 15% de ces néphrologues, malgré quand même, ils ont eu tous une bonne formation en dialyse péritonéale et des aptitudes. Hein, ils ont fait tous un stage au moins de 6 mois en dialyse péritonéale. Alors, en conclusion, Madame la Présidente, la dialyse péritonéale pourrait être vraiment disponible dans la grande majorité des pays africains. Nous sommes vraiment conscients et convaincus qu'elle constitue une technique viable et une bonne alternative aux investissements énormes pour l'installation des centres d'hémodialyse dans nos pays à revenus faibles. Et donc, la formation du personnel et la mise à disposition de consommables à prix supportable permettraient une forte croissance des programmes de dialyse péritonéale dans les différents pays d'Afrique subsaharienne. Donc, je voulais remercier tous mes collaborateurs qui font au quotidien donc cette technique et qui donc soulagent les patients. Et nous sommes conscients que donc développer la dialyse péritonéale est bien possible. Merci à tous. Merci beaucoup, professeur Niang, pour cette très très belle présentation, des belles données épidémiologiques et puis et des résultats. Et donc, félicitations à toi et à toute l'équipe du Sénégal pour le développement et l'imprégnation de cette technique. Et j'y suis particulièrement sensible hein, de par mes origines sénégalaises. Et donc, j'ai pu voir des villes que je connais et où il y a un développement de dialyse péritonéale.
Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois une question apparaître. Moi, j'en ai une que je poserai après. La première question, so this first question is in English. It's does a surgical insertion more better than cell danger technique? What is the research shows? Donc, c'est un aspect que tu n'as pas abordé, mais chez vous, est-ce que vous mettez vos cathéters par voie chirurgicale avec un chirurgien ou par voie cœlioscopique? Ou est-ce que c'est le néphrologue qui met les cathéters au Sénégal? Thank you for the question. I think it's a very, very interesting question by Jat. I think Jat understand French. I can probably answer in French. Effectivement, il a posé une très bonne question sur la technique. Nous, dans notre expérience, donc depuis 2003 jusqu'à maintenant, nous avons toujours posé par la voie chirurgicale. Et j'ai montré les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Maintenant, notre ambition, à partir de cette année et l'année prochaine, c'est en tout cas de mixer. Nous avons maintenant un nouveau bloc, hein, un service de néphrologie que nous avons équipé pour que les néphrologues puissent poser les cathéters par technique de Seldinger. Et donc, nous sommes en train de former des néphrologues pour cela et nous allons recevoir certainement des experts aussi venant de pays amis, hein, pour aider ces néphrologues à se former. Et donc, nous allons progressivement faire la technique de Seldinger comme une technique. Parce que nous pensons que, de toute façon, sur le plan des résultats dans la recherche, ces techniques sont équivalentes. Mais ce qu'on note quand on fait les techniques de Seldinger, c'est que le néphrologue est plus disponible pour ses malades. Il a plus de temps pour résoudre les problèmes de façon beaucoup plus rapide. Et donc, nous pensons que cette technique de Seldinger pourrait beaucoup apporter. Alors, par rapport à sa deuxième question, oui, je suis convaincu que c'est en faisant cette technique de Seldinger que nous allons augmenter le taux de malades en dialyse péritonéale. Nous en sommes conscients, nous sommes parfaitement d'accord avec cela. Et donc, c'est pour ça que nous travaillons vraiment ardemment pour ça. Et j'ai été encore beaucoup convaincu par mes collègues français, parce que quand j'ai vu que maintenant l'équipe de Caen est en train aussi de poser des cathéters, etc., j'ai dit, bon, je crois que c'est une très bonne initiative. Et c'est une voie pour permettre à la dialyse péritonéale, pour aborder sa troisième affirmation, d'être certainement une des premières techniques de thérapie de suppléance. Merci. Donc moi, j'avais une question, Abdou, si tu permets, sur le lien avec le patient. Est-ce que vous envisagez, parce qu'on sait que le développement de projets d'éducation thérapeutique pour présenter la technique au patient est un atout majeur pour favoriser le développement de la technique. Est-ce que vous envisagez de mettre en place des projets d'éducation thérapeutique? Est-ce que la perception du patient de cette technique est un frein? Tu l'as un petit peu abordé. Voilà, je voulais avoir un peu ton sentiment sur cette partie-là. Oui, vraiment, je te remercie, Fatouma, pour cette question, parce que quand je mettais en exergue ce problème de choix du malade, c'était en même temps aussi pour montrer justement cette carence, l'absence d'unité d'éducation thérapeutique dédiée. Très souvent, ce qui se passe, c'est que l'information est donnée au cours de la consultation. Le malade n'a pas le temps d'assimiler, c'est pas bien donné. Et derrière, il y a vraiment une très mauvaise publicité, hein, donc de la dialyse péritonéale. Et donc, nous avons pensé effectivement que c'est ça qui va permettre de combler ce déficit. Donc, nous avons en tout cas dans nos services aujourd'hui mis en place de l'éducation thérapeutique et qui fait que les malades pour lesquels nous voulons orienter vers la dialyse péritonéale, nous faisons seulement l'annonce et l'information et après, ils sont adressés à l'unité d'éducation thérapeutique qui fait l'information et qui explique et qui donne aussi des orientations. Et nous espérons
qu'avec cette approche, on pourra quand même mieux sécuriser l'information et convaincre les patients à opter pour la dialyse péritonéale. Merci beaucoup, professeur Nyang. Merci. Donc pour des, il y aurait encore beaucoup de questions, mais pour des raisons de temps, je propose de passer à la présentation suivante et ça nous laissera un petit temps de discussion tous ensemble après. So I'm very pleased to introduce Dr. Ahad Kayoum from Pakistan. Le docteur Ahad Kayoum est anglophone, donc son topo va être en anglais, mais par contre les diapositives seront en français. So I was explaining to the audience that your talk will be in English, but with a slide in French. So thank you very much for that. We appreciate. So please, Dr. Kayoum. Right, so thank you so much. Can you just sort of tell me if you can see my screen? Yes, And it's you guys okay. can hear me all right. Okay, great. So firstly, excellent presentation, Professor Abdu. I don't know much French, but whatever I could pick out, I'm sure you guys have doing a wonderful job in Senegal, and I'm hopefully with the collaboration with the ISPD, we'll make things happen even more further. So first and foremost, thank you to the ISPD and to my colleagues in Senegal, especially Professor Abdu, Professor Fatemat, for extending me an invitation to be a part of this wonderful webinar series. I've already been graciously introduced. My name is Ahad, and I'm a kidney doctor based out of Pakistan. I am currently the deputy chair of the International Liaison Committee of the ISPD, so I do oversee quite a few international projects. And the job at hand today is to talk about the journey that Pakistan took in promoting peritoneal dialysis. What were the obstacles and what did the lessons learned? It's not going to be something that me telling that these are, some things that everybody should replicate. It's just sort of like that these were our experiences and let's share experiences with each other. So I do not have any competing interests, not any disclosures. So first and foremost, I would just like to sort of say that Pakistan did not invent the wheel. There was a lot of data already out there and a lot of free resource studies by ISPD leaders, peritoneal dialysis leaders like Fred Finkelstein out of, Yale, and then a Sri Lankan team also. So all of these, what you could say, manuals to success were already out there. So we just followed these three main papers, and they're easy to access there as well. So just a bit of brief background about Pakistan. So this is unfortunately not a very good slide in terms of Pakistan, is that Pakistan spends about only 1% of its gross domestic product, that the amount of money that Pakistan makes, unfortunately, only 1% is invested into health. How much of that 1% goes into healthcare, goes into dialysis of renal medicine and things like that, it's going to be minuscule at best. So this is another figure which was something which will be astounding for most, that it takes $3,000 for an average Pakistani to be maintained on hemodialysis. But if you look at what how much money an average Pakistani makes in a year, that's $1,200. So at one point, it costs $3,000 to sustain someone on hemodialysis, whilst the patient is or the person is only making $1,200. So what happens is that unfortunately, only 10% of the people who need dialysis end up getting it. 90% of the patients, unfortunately, cannot be supported by the government. And I shudder to think what happens to them. So this was a problem. So the first thing to solving any problem is to start recognizing that there is a problem. So this is a major problem. So, and it could not be that we just kept on doing the same thing over and over and again and expect different results, because as Albert Einstein said, that is precisely the definition of insanity. If you keep on doing the same thing over and over and again, and you expect that, no, this time the result will be different, it just doesn't work. So the plan was that, yes, let's start talking about peritoneal dialysis. We know that, if there is a will, there is going to be the way.
So the first thing that we, that step one was that we need to get the general public motivated. So the first step that we decided was that as a part of the Pakistan Society of Nephrology, 8 nephrologists who were doing peritoneal dialysis in Pakistan, and in 2014, we only had 30 patients in Pakistan. And we are a nation of 240 million people with only 30 patients on peritoneal dialysis at that point in 2014. So 8 nephrologists who were part of the Pakistan Society of Nephrology decided that let's do and start an initiative like the PD Task Force for under the banner of our national society, like you have in Senegal. We formed the PD Academy of Pakistan, which step one was just to go to any conference. It doesn't have to be about nephrology only. We went to surgical conferences, gynecology conferences, you name it. We just went there and started talking about that. Listen, peritoneal dialysis is there. And it is also a modality that is better or equal to hemodialysis. And we started talking about the following points, which Professor Abdu has sort of alluded to earlier in his talk as well. And that was that, you know, in most of the studies you will come across, and especially in this landmark paper published in NDT in 2013, we found out that in 90% of the countries across the globe, peritoneal dialysis is cheaper than hemodialysis. So that was that. So this is something that we kept on talking at various conferences, on the radio, whatever mass media was available, we were just talking about that. Then this wonderful study came out of Saudi Arabia, where a large Pakistani population lives as well, which again said the same thing and said that you need to highlight that peritoneal dialysis is cheaper. There are hidden costs with hemodialysis, like the amount of petrol that you consume, the money that one has to pay to transport that patient to the hemodialysis as opposed to a therapy which, like peritoneal dialysis, which can be done at home. Similarly, in terms of hiring nurses, you can hire one PD nurse instead of 10 hemodialysis nurses for the same amount of patients that you need to take care of. So Pakistan is a resource-limited country. So we need to start investing in peritoneal dialysis. Again, this was again proven in another study based out of India. So fine. So, you know, that was that. We just did simple maths that let's say how much it costs for somebody to sustain someone on hemodialysis in Pakistan. It costs 11,000 rupees per week. When we looked at it in terms of peritoneal dialysis, it came out to be 10,850, slightly cheaper. So that was point number one. So what I don't want this conversation to be about is that this conversation cannot be about hemodialysis versus peritoneal dialysis, but I'm just trying to highlight that these are the points that we were taking to the general public and to conferences and highlighting that, listen, peritoneal dialysis, there is a slight benefit in mortality in the first 2 years over hemodialysis. So even if you're not willing to admit that peritoneal dialysis is better than hemodialysis, it is definitely equal to it. Similarly, if you look at all-cause infections, not talking about peritonitis alone, hemodialysis has got more infections because of line-related sepsis, transmissions of HIV, hepatitis B, C. If in a resource-limited setting, you are not practicing those infection control guidelines, which is a must. I'm not going to advocate that you can't do that. That is sort of a given. But you see these things day in, day out in Pakistan, that hepatitis B and C outbreaks do happen in the hemodialysis unit. But that is non-existent in peritoneal dialysis. Similarly, so these are all talking points that we were taking to the general public, to stakeholders that listen. We need to mobilize. We need to start investing in peritoneal dialysis now, or it's going to be now or never. Because clearly, if we're not going to offer 90% of the population with dialysis, we know without dialysis, they will die. So lo and behold, we did start, you know, a buzz, and that's things started developing. So the point one was to make everybody aware that it can be done. Peritoneal dialysis is safe. It's been done since many, many years. It's just not being done in Pakistan. So let's start doing it. So part two was to formulate that what are the main obstacles, and I've sort of highlighted here what the obstacles were. I'll just take them one by one, so I won't bore you with this busy slide. So step two was
that we just didn't have the human resource and technical know-how how to do peritoneal dialysis. And the classical example I can give is of myself, because I trained initially in Pakistan. And during my 3 years of training in nephrology in Pakistan, I didn't see anybody on peritoneal dialysis. Clearly, if there's going to be 30 patients from a population of 240 million, you know, I won't be exposed to any patient on peritoneal dialysis. And once I do become a consultant, of course, I will not be putting anybody on peritoneal dialysis because I haven't seen it happen. And second thing, that even if I did want to put them on, I just don't know how to do it. So we needed to develop that human resource. We needed to develop PD nurses and PD coordinators. And for that, the ISPD came through to us within a big way. We contacted them. They helped us that you need to start doing short courses. And this was the where the workshop started. So what we did in 2016 was that we developed a curriculum. It was a three-day workshop, which we did every 3 months in different cities. So the first day, all we did was we just did theory work. We just told them what is PD, what is peritoneal dialysis versus hemodialysis, how is it done, what are the principles of dialysis. On day two, we did it on mannequins and showed them how exchanges can be done. We showed them on cushions how PD catheters can be passed. And on day three, we requested those 30 patients on hemodialysis across Pakistan if they could make their way to a particular center. And you know, seeing is believing. They did their PD exchanges in front of the audience, in front of the delegates, under sterile conditions, of course. And then, you know, the buzz started. So this was first. And it's since 2016, we've been doing this three-day workshop every 3 months. So this was another setup in the same city, which is Lahore, where I am based out. Then we moved to Karachi, and that was Indus Hospital, which has the largest number of patients on PD in Pakistan at the moment. And lo and behold, as things develop, you start to realize that, listen, we need to develop competency checklists. So after each three-day workshop, we will have that each and every delegate can do these such and such things independently and such things under supervision. And we developed a log about that as well. And things started to develop. These are all pictures of various workshops we've done across the country. And then it came down to the other thing that we thought was that a huge resource for Pakistan, I'm pretty sure that's true for Senegal as well, is that Pakistan has a huge expat community based in the US, who are training in the UK, who are based out of Australia, in Canada, and they're doing PD. And they've actually trained and seen patients being done. So whenever they come to Pakistan over the holidays for a wedding or for Eid or anything, or a whole, you know, a holy celebration, we always request them that, can you do a PD catheter for us? Can you train my trainee this technique? And have a talk with all of these things. And Rashid Sharaf came down from San Diego, is just an example of one of many. And, you know, and this is something that we were particularly proud of, that since, you know, 2016, then in 2022, we had enough patients, we had enough doctors interested in PD to do sole international conferences, three-day conferences where international delegates, where the ISPD sent their speakers, the APSN sent their speaker, and we did conferences based only on peritoneal dialysis. The second thing was that we talked to the National Society, which is the Pakistan Society of Nephrology, and we said that, as we said with the other conferences, that no matter what happens, if you are going to do a symposium, peritoneal dialysis needs to be a part of it. We need to keep PD relevant. And, you know, if you talk to your society, they were very, very kind and helpful. Now, let's say if the symposium was on transplantation, please let us give a talk on the outcomes of transplant after a patient is, let's do PD versus HD outcomes, of transplantation before, if they were on PD or HD. And we just gave a talk just to keep PD relevant. And this is how things went on. In 2019, we had hands-on workshops in which, you know, the ISPD again, the ISN as well, came through with us. Professor Edwina Brown, she's right there in the corner. She wasn't the current president at that point. She's the president now.
they made their way to Pakistan. We, you know, developed goat bellies to show them how PD catheters can be placed. So there was an interest to develop young budding nephrologists to understand this modality. And lo and behold, more and more centers started investing in peritoneal dialysis. Then again, we did the same thing in Quetta, which was in the following year, Edwina Brown again. COVID was there, so they didn't show up, but they did do online webinars for them there and then. Then we've got all this information. We just wanted to make sure that was easily available to everybody. So we made the website and put everything over there, but everything not in English, but in the local language, which is Urdu. So peritoneal dialysis karne ka tarika essentially just means how to do peritoneal dialysis. So there's videos about almost every aspect related to peritoneal dialysis, how to put in antibiotics into the PD fluid if you've got peritonitis, what to do if you've got abdominal pain, who to contact. And we put everything there. And this PD Academy is a free access. It's a pro bono thing. You don't need registration. You don't need to pay anything. It's just over there. Anybody who wants to contribute to PD is welcome to contact us. And we put all this material out there for the general public. Similarly, again, ISPD, past president, Professor Joanne Bagman, she talked to us, she provided webinars. We were having difficulties with PD catheters. We talked to the big man, the pioneer of PD catheter placement, John Crabtree, and he did a webinar with us as well. This is something that, you know, I think every society who wants to invest in PD should do. We learned it the hard way that what we were seeing was that after doing all these things, the doctors were getting, you know, a lot of, you know, information, and they were very, very aggressive and in putting patients on PD. But we thought that the nurses, they're very, very interested, but they're sort of still shy and lagging behind. So what we did, that we wanted to empower them even more, because PD is all about PD nursing. Yes, the doctor is involved, but at the center, the nucleus of any PD program has to be a good PD nurse. So we asked your trained 3 PD nurses and said that, listen, I think there is a level of shyness between the nurses and doctors. Why don't you start take the lead and do PD webinars for them and PD conferences for them? And we will be in the supporting role. And then lo and behold, PD nurses started to grow as well. And then while we had all the momentum, unfortunately, COVID happened. And we were very, very scared that, listen, finally, we are getting this PD program off the ground. But again, ISPD, again, it seems like I'm talking like an advertisement for ISPD, but they did a very, very big favor for Pakistan. So all these PD leaders from Andrew Liu out of Singapore, Professor Teitelbaum, Edwina Brown, you know, they did webinars on case-based discussions. We were thinking about how to expand PD. They were there for us. And, you know, we did each and every case discussion just to keep relevant and keep everybody motivated. And this is the last one we did in February, where we asked Edwina Brown to bring along her PD nurse. I'm very proud to say that I've been trained by Sally Poonsalan in the UK as well. And she had a word with our nurses as well. This is something that helps immensely to do mentorship. So we had, including myself, 8 doctors who were doing PD in 2014. After we started the workshop, we decided that, listen, for 1 year, one PD consultant will train one PD consultant for 1 year. And after that 1 year period, we will have an independent PD unit, sitting there. So it was each one to teach one. And that is how local mentorship started. So we said that we will mentor. So if the example would be that I put the PD catheter in a patient for another hospital, and we ship that patient off to their primary consultant. And then for every clinic visit, we would be available online virtually to sort of assist them that how are they progressing? How is the patient doing? So that just by doing a little bit of hand-holding, I think that made things very, very easier for the new consultant we were training. For example, the same patient which I put the PD catheter in, after 1 year, you know, he calls me and says that she's here, she's complaining of abdominal pain, and this is the PD effluent. You know, lo and behold, you just say that send this cytology, send the culture, put these antibiotics in, and within 3 days, you know, the peritonitis was treated. So that is one thing. The other is, of course, that you can always do foreign mentorship, which I did, because as I said, I trained in Pakistan. I was very, very lucky that I got the opportunity through the ISN and the ISPD to go to the Royal London Hospital and work with Stan Fan and Professor Magdi Yacoub there. And they taught me whatever I know about peritoneal dialysis. So I owe them big time.
So you can do apply for that if you're interested. How to apply for these fellowships, you can reach out to me independently as well. Okay, so this was an excellent question by someone also, is that the PD catheter placement is the Achilles heel, isn't it? So, right? So the ISPD guideline is clear. The nephrologist can do it, the surgeons can do it, and the interventional radiologist can do it as well. The guideline is very clear. It just needs to be done by someone who has training and has expertise. If you do not have anybody who has that expertise, so it's not going to be a question of whether a nephrologist is better or a surgeon is better. It's just about who has done the most, who has done it before. You know, you have to look at safety for the patient first. So that is what the ISPD guideline is very clear about in adults. Of course, there's a lot of data that if it has been shown over and over again that if the nephrologist puts PD catheter in himself, his or her center gains more PD utilization. So if I start becoming dependent on others, yes, the PD utilization rate definitely goes down. So yes, I am all for nephrologists knowing how to do a PD catheter in. But what is our story as far as Pakistan is concerned? Initially, I used to do all my PD catheters myself. But now, considering there's a scarcity of nephrologists, you have to look at hemodialysis units as well. You have to look after the transplantation program. So there is time constraints as well. So now a junior surgical consultant does it in Pakistan at my center. But in most centers, the nephrologists are still doing it under fluoroscopy. And the Seldinger technique is something that we do very, very frequently when we're looking at acute PD. What I want to put across is that, listen, PD catheter placement cannot be a major limitation for any program. Yes, again, I'm not saying that the nephrologist doesn't need to do it. He needs to know how to do it, but it's just, you know, have to see what works best for you. Take the example of hemodialysis. Most nephrologists don't make their own AV fistulas. They just refer them to a particular surgeon. So what is the problem in referring, you know, for PD catheter placement himself? But again, the nephrologist needs to know and he needs to try to put the PD catheter in itself once he's trained or good enough to do that. The step four was to, you know, make a PD apparatus inventory and budgeting. We again learned it the hard way. It is very, very difficult. And I would not recommend that any one hospital to negotiate with the industry. It is always better to negotiate en masse, because if you use the society or you use or 8, 10 consultants, 14 hospitals go together, you get better rates. You just make sure that a monthly backup or 2 monthly backup is always present for each and every patient. So that was step four, and that is what we learned. Every country has their own preference. In Pakistan, there is only for the interest of commercial use. I don't want to name any company, but Pakistan just has one company available. So that is the one that we use. I'm not too sure what Senegal has at the moment, but I will have a word with Professor Abdu once the conference, this webinar is finished, about this as well. Local SOP development is key. The ISPD guidelines are brilliant, but you know, the ISPD guidelines just need a little bit of modifications, provided they are done under the mentorship of someone from the ISPD. Pakistan, very humid, very hot. The dressing, the exit site dressings come off 3 times a day. So, I mean, if you look at the guidelines that, no, listen, leave the dressing in for such amount of time, it doesn't work for Pakistan. We have a lot of vancomycin-resistant enterococcus here. So vancomycin as an antibiotic doesn't work here. So we use first-generation cephalosporins. So yeah, so you just sort of modify the guidelines and then you talk to someone senior in the ISPD. You know, just have to reach out and they're very, very helpful. So local SOP development is something that we did. So it's as simple as 1, 2, 3, 4, 5. I just have a few more slides, so just won't bore you more. Again, PD Academy of Pakistan, we just put everything over there in English and in Urdu. That, let's say that one patient wants to shift from hemo to peritoneal dialysis. All he has to do is go to Google and write peritoneal dialysis Pakistan, and that would lead you to a website where, you know, they would direct you that go to these hospitals across Pakistan. They are doing peritoneal dialysis. And again, as I said, it was never about, whose name is going to be there. Anybody who has trained in peritoneal dialysis, his name, his profile, his hospital, it's whether it's government or private, the name is there. We leave it to the best judgment of the patient.
If you want to add oomph to your program, you need to talk to major stakeholders, the government. Pakistan has free hemodialysis, but peritoneal dialysis was out of pocket. We talked to the government, got together again, and I'm happy to report that in our province, which is Punjab at least, peritoneal dialysis is now subsidized. We talked to the industry, we talked to the engineers, and we're very, very proud of this, that now Pakistan has an indigenously made PD cycler, and we've used it, tested, and has gained FDA approval as well. So we've got APD now as well. One thing that really, really helped us is that, as I going back to the figure that 90% cannot afford dialysis, Pakistan being a Muslim country, it's a requirement for every Muslim to invest 2.5% of their income, you know, for the poor to, you know, to give them charity. So we do schemes every Ramadan and say sort of that you need to sponsor patients. So, you know, people across the globe, they send money to particular patients or via hospital, various organizations. And now we're at a position that, you know, many people are sponsoring peritoneal dialysis patients across Pakistan. And a perfect example of this is of Professor Irfan Munir, who's based out of Indiana and has sponsored 20 patients out there through his old alma mater, which is King Edward Medical University. So this is one of many programs. It's not going to be about Irfan Munir. It's just that, you know, you were doing this program to help those who really need it. We try to invest in PD initiative, PD first as well. Some centers are doing it. And, you know, if you want recognition, you need to publish, you need to go international. So every AISPD conference, we make sure that we present studies over there. And this is particularly something I am really, really personally proud of, which is that last year at the WCN in Bangkok, the ISN asked us to do a spotlight session in how to keep PD relevant in the developing world. And we shared a story there as well. So again, it's as simple as 1, 2, 3, 4, 5. When in doubt, ask for help. Always better to take it slow. So I thank you and leave you with this wonderful picture from the north of Pakistan off the Attabad Lake. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Kayoum. This was an impressive program, and I'm really, really impressed by your energy. And I was wondering, how many nephrologists do you have in Pakistan? So at the moment, Pakistan has 350 fully trained nephrologists. But, you know, Pakistan's a huge country with 260 million people. So we need, so the need is actually, we need, according to calculation, we need 4,000 nephrologists to cater to everybody. But yeah, they're there. 4,000. Okay, this is really, but 350, it's good. It's a good number. And the other question is that I'm really, this was very, this was a smart idea to ask Muslim people to participate in the healthcare of end-stage kidney disease patients. So I was wondering, did you had any help from the government except the APD machine? Did they think about helping with a kind of social security or taking charge part of the healthcare? So sort of it's very difficult to sort of wash your dirty laundry in front of people, but the thing is that the government unfortunately wasn't very helpful in this aspect as far as peritoneal dialysis is concerned. I don't blame them. Hemodialysis is free in Pakistan. So they are, hemodialysis is free. Yes. So hemodialysis is 100% free. So that makes peritoneal dialysis utilization even more worse. That even if you're going to pay 5 rupees or a penny, it's going to be expensive than hemodialysis because hemodialysis is free. So they've got their hands full already. So I don't blame them. I think what has happened is that nobody has talked to them that, listen, this is the way to the future. It's more cheaper. You just don't have the money. 1% of your GDP. Is minuscule, and our GDP isn't like great. Our economy is struggling as it is. Okay. Yeah. Great, thank you. I don't know, Abdou, if you have any question for Dr. Kayoum. I will check if there is a new question from the audience. Yes, I would like to ask Ayoum, we have the same feature in Senegal. As HD is free, is it available for all the population? Because in Senegal, HD is free, but it is not available. And we have waiting list.
for HD. What is the situation in Pakistan? So you're absolutely right. So there is a waiting list, but invariably in the recent past, I'm sorry, as you have seen, Pakistan has lost its electricity. So electricity is gone. So this is why. You're still here. Yeah. I'm here. South Africa. Yeah. So example, this is why we need to do peritoneal dialysis. Oh my God. If the light goes away, how are you going to do hemodialysis? So fine. So there you go. So I'm sorry if my, picture, I'm going to stay online. I don't know if they've got enough power in the battery. So your question was that, is it available? Yes, I think in the recent past, for the last 5 years, I have yet to come across anybody who has been unable to be catered for hemodialysis in major cities. So, but if you say that, if you go to the villages and in the peripheries, yes, I think there will be a problem. We just sort of say that, listen, you need to shift to a major city then. If in the villages, no hemodialysis facility is available, for those, I am sort of pursuing that we need to shift them on PD anyway. But it's available in the cities and there's no waiting list in Pakistan. Okay, so there is one last question and a remark from the audience. It's that it can be true for Senegal and for Pakistan. It's that transplantation program may help to promote PD. So did you see a change in Pakistan because I think that you have a more developed transplantation program. So did you see a change in the use of PD with the development of transplantation program? So at our center, definitely yes. And that is largely because, when we are screening patients for transplantation, I always offer PD first to them. I say that, listen, let's get a PD catheter in and you're planning for a transplant anyway. So within 3 months, we will be transplanting in, because in Pakistan, there's no cadaveric program. So it is the transplantation is always going to be live related anyway. So they already have a donor. So I say that, why don't you go in this? It will preserve your residual renal function anyway. You will have urine for a longer period of time till I get you transplanted. But, it varies across Pakistan. The province where I work is Punjab. So PD is subsidized here. The largest center of transplantation in Asia is actually in Pakistan. It's called SIUT. Mm-hmm. And we are transplanting 6 transplants, 8 transplants per day now. But they don't do any PD because all their money goes into transplantation. They say that we just don't have enough money. So they just stick a line in and do hemodialysis. So it varies if I'm able to answer that question clearly. Okay. So I have quelqu'un dans l'auditoire, Professeur Tay Ben Abdallah, qui voulait prendre la parole. Voilà, j'allais pour le présenter, c'est vraiment un pionnier de la dialyse péritonéale en Tunisie. Et c'est lui-même qui a aidé à démarrer le programme de dialyse péritonéale au Sénégal il y a 20 ans. Professeur Taïb Ben Abdallah. Il suffit de désactiver votre micro, je pense, ça devrait être bon. Je vais chercher son nom. Eugénie, est-ce que vous pouvez désactiver pour Taïb Ben Abdallah? Oui, c'est lui qui a soulevé la main là. En haut. Allez-y, Taïb. On ne vous entend pas. Est-ce que votre numéro, qui est activé? Eugénie, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, j'ai pas la main pour activer le micro. Oui, j'ai comme l'impression que là, malheureusement, peut-être par écrit, peut-être, monsieur. Oui, Taïb, si je crois que la configuration n'a pas permis. Alors, en attendant, il y a une autre question qui vous s'adresse. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Bon. Non, je suis docteur Ahad. Vous comprenez le français? Oui, je comprends. Non, hein? Docteur Kayoum, non, il ne comprend pas. Non, mais non, on peut traduire. I am very happy to know that now there is a PD in Pakistan. My last visit in Pakistan was in 1999. And I was in contact with Dr. Nakvi, with Dr. Rizvi. So it's a lot of, at this time, we speak only about hemodialysis and
organ transplantation and kidney transplantation. Now we come back. I am retired, of course, but I think the main key in the PD that we willing to do PD. Yeah. If you don't have a chief who like to do PD, who like to start PD, you never can start PD. Absolutely. Of course, after this, we are not only willing enough. We have to build some technicity, some knowledge, and we have to start. The example in Senegal, I am very, very proud to know that I help my colleagues in Senegal to start PD in 20 years ago. And I don't understand now why you don't have more other centers. Mm-hmm. We start in the Dantec Hospital. In the future, I think we will meet Dr. Nyang, and we'll try to start another program in another hospital. But of course, if each country have some problems, but in response to the question of Dr. Nyang, when we have waiting list for hemodialysis, is the first opportunity to start PD. Absolutely. So there is no doubt about this. Mm-hmm. Because when we have some patient in chronic failure, we are not waiting a lot of days to start EMO. Or for PD, you can start PD even at midnight. Mm-hmm. We have no problems. Of course, we will have a team, a chief, and nurses competent in this field. Thank you. Thank you, Taïb. Merci, professeur Taïb Ben Abdallah, pour cette belle contribution. Il y a aussi une question de Patrick qui dit, j'aimerais savoir comment au Sénégal ils font pour se procurer les cathéters de Tinkoff. Au cas où on n'en dispose pas, y aurait-il alternative? Oui, absolument. Alors, je pense que pour les cathéters liés à la dialyse péritonéale en aigu, ce qui est recommandé dans les guidelines, c'est qu'on peut disposer des cathéters de Cook, etc., si on a les moyens de les acheter. Mais aujourd'hui, for saving young life, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de cathéter de Tinkoff aussi, vous pouvez faire de la dialyse péritonéale en aigu. Il y a dans les recommandations, les ISPD, IKA, guidelines, vous pouvez trouver tous ces types de solutions de drains, de certains outils que vous utilisez au quotidien qui peuvent régler donc des problèmes de cathéter, de dialyse péritonéale en aigu. Maintenant, pour un programme chronique, il faut quand même avoir des cathéters appropriés parce que vous devez pouvoir poser le cathé, vous espérez que ça reste pendant des années. Donc là aussi, Ayoub a dit quelque chose de très important. Et quand c'est dans un programme, le mieux c'est qu'il y ait un appel d'offres. Et quand vous avez un appel d'offres, il y a plusieurs sociétés donc, qui soumissionnent et qui proposent un produit. Et là, vous avez la possibilité de choisir hein, le meilleur au coût le plus abordable, etc. Donc, il faut vraiment différencier les deux types de dialyse péritonéale dans le choix des cathéters. S'il y a d'autres compléments. Mm-hmm. Il y a une cinquième question. Mm-hmm. Alors, au Pakistan, la tendance est plutôt DPCA ou DPA. So, this is a question for Dr. Kayoum. In Pakistan, what is the proportion of APD and the manual 50-50? So automated peritoneal dialysis utilization is not more than 10%. The reason is clearly in front of you. If I've got no electricity, how is the PD sac
the work. So that is first. So only the well-to-do do automated peritoneal dialysis. But I think I'm not in touch with the industry. But the last time I had a conversation with them, I think they're working on insurance of somewhat to promote that as well. But I would say that 90% CAPD, not more than 10% on APD. I would. There you go. Lights back. So one thing I'd just also like to take this opportunity to thank Professor Ben Abdullah. If I extend an invitation for him, if he comes to Pakistan, I will show you the PD patients now. Great to see you. Yes, I hope that answers your question. Alors, on a une question de Pepe Ekulu de RDC, donc République démocratique du Congo. Alors, effectivement, il dit qu'en DP aigu, eux, ils utilisent les semi-rigides à défaut donc des cathéters qu'on vend comme le Tenkoff. Mais je crois qu'effectivement, vous confirmez que c'est bien possible d'utiliser les semi-rigides et même parfois vraiment ce qu'on appelle des cathéters de fortune. Hein? Et donc là, il suffit justement de l'assurance, et c'est là où la formation vient vraiment appuyer ce que disait tout à l'heure Taïb Ben Abdallah. La formation et la volonté. J'ai le plaisir de citer Francis Lalia à Cotonou au Bénin, hein, qui a développé un programme de DP aigu très très intéressant, qui sauve des enfants dans des situations difficiles. Mais si vous n'avez rien, vous allez regarder un enfant mourir d'hyperkaliémie, alors qu'on dit qu'aucun enfant ne devra plus mourir d'une mort évitable comme une hyperkaliémie ou autre d'ici 2025. 2025, c'est demain. Et donc, je crois que tous les médecins, je ne parle même plus des néphrologues, mais vraiment, nous devons même former les autres médecins pédiatres à ces techniques qui permettent de sauver des vies. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques. Je n'en vois plus sur le prompteur. Donc, je vais laisser la parole à Abdou pour conclure ce webinar. Mais avant, I would like to... So I was telling that I will let Abdou for the last words on this webinar. But first, I would like to thank you, Dr. Kayoum and Professor Nyong, for these very, very beautiful presentations and your energy in developing peritoneal dialysis in your countries. Thank you very much. Abdou? Oui, thank you, Ayoum, for your excellent lecture. I think the Pakistan experience is a lesson in Africa. And I think our colleague in this webinar and the other who will follow later this webinar will be learned from Pakistan experience. Thank you so much for that. Je voulais remercier aussi tous les participants à ce webinar, en commençant par notre maître, le professeur Taïb Ben Abdallah, qui n'est pas en réalité en retraite parce qu'il continue toujours à nous apporter son énergie. Et donc, nous le remercions. Et puis, tous les collègues aussi qui se sont connectés de différents pays d'Afrique. Et vraiment, le professeur Taïb, je conclurai par son mot. Il a dit en anglais, mais moi, je vais le dire en français, « Vouloir, c'est pouvoir ». Et il pense que si les néphrologues ont de la détermination, ils veulent, ils vont se former, ils vont se donner les moyens pour pouvoir monter un programme de dialyse péritonéale. Alors, il y a quelques, on dirait qu'au moment de raccrocher, il y en a aussi qui posent des problèmes, des questions. Oui. Comment faire pour produire les consommables sur le plan local? Maman qui dit, quelles sont les étapes à suivre pour démarrer un programme d'hémodialyse et de dialyse péritonéale dans les pays pour aider la sous-région. Alors, le problème des produits consommables localement, il ne faut pas rêver. L'industrie ne fait pas de la philanthropie. Ils ont la possibilité de le faire, mais j'ai encore la réponse d'un laboratoire à un grand pays d'Afrique de plus de 200 millions d'habitants, mais qui ne font pas de la dialyse péritonéale, en tout cas pas en grande masse. Quand ils ont demandé qu'on leur mette une usine, le labo a répondu tout simplement que ce n'est pas rentable. Il me faut un marché pour investir. Si vous aviez un programme avec beaucoup de patients, ce serait
effectivement utile d'investir. Donc, c'est pour dire que il faut que nous commencions des programmes hein, avec nos moyens, etc. Et comme ça, certainement, l'industrie pharmaceutique va trouver effectivement utile de venir investir en Afrique. En tout cas, l'expérience du Pakistan, de l'Inde et tout ça est une expérience extrêmement intéressante pour nos pays. Et comme je dis aussi, il faut nous serrer les coudes. Hein, je crois que nos pays gagneront à trouver les moyens de faire des commandes ensemble et de créer un marché commun. Ça aussi, ça aide. Donc, voilà quelques réponses que je voulais apporter. Mais là, nous avons débordé un peu sur l'horaire. Et donc, je voulais remercier vraiment tous les participants donc à ce webinaire. Remercier l'ASPD hein, pour cette excellente initiative, accompagnée donc, par la SFNDT, mais aussi par l'Association africaine de néphrologie. Et donc, nous vous donnons rendez-vous dans un mois. Comme je vous ai dit, c'est une série de webinaires hein, pour une nouvelle session hein, sur la dialyse péritonéale. Donc, nous remercions aussi nos organisateurs, Eugénie et Miguel, hein, pour la très belle organisation de ce premier webinaire. Merci à tous. Thank you for. Thank you. Bye-bye. Merci. Merci. Bye-bye. Merci. Au revoir.